Donc on se trouve au centre des sports pour la 4e édition de Musibad. Voilà, tout à fait, le Musibad 4. Cette année, on le fait sur 3 jours. Donc le vendredi, on fait les simples, hommes, enfants et femmes. Le dimanche, on fait les doubles mixtes, c'est-à-dire, double hommes et double dames. Et le dimanche, on fait les doubles mixtes. Ça regroupe environ 273 joueurs sur les 3 jours. Pour la 4e édition, on voit que c'est assez ancré dans le paysage lorrain, le nombre de participants est présent. Oh oui, tout à fait, au contraire, maintenant c'est vrai que ça, il est attendu, en plus de ça, voilà, sur 3 jours, chaque tableau est fini le même jour, donc c'est pas à cheval sur 2 jours, donc c'est déjà apprécié par les joueurs. Il faut savoir que voilà, l'année dernière on avait 285 joueurs et là on en est à 382, 100 de plus, c'est pas négligeable, donc la preuve que dans le tournoi lorrain, il est présent. Tous les membres du club sont sollicités pour l'organisation de cette rencontre sportive. Voilà, ça fait déjà un bon petit mois qu'on est en train et tous les petits t-shirts rouges de la ville de Pont-à-Mousson, ils sont là et on est une trentaine. Oui, aussi bien compétiteurs que bénévoles, on est tous partants, on veut faire vivre le club, donc le meilleur moyen c'est de faire des manifestations et on est très solidaires, alors c'est bien. Au niveau de ce sport, au niveau de la Lorraine, on est dans des bons effectifs, surtout au niveau du club de Pont-à-Mousson. Oui, en nombre de licenciés, oui. Voilà, on a un peu perdu parce que les enfants, l'année dernière, on en avait trop, donc on a un peu limité nos enfants. Pour les adultes, oui, on arrive à 160 joueurs en tout. Disons qu'on a la division 1 qui sont bien placés, qu'on espère qu'ils vont nous monter sur les podiums aujourd'hui, ou même demain, tout le week-end. Et autrement, disons qu'on en est au niveau départemental, on est bien, voilà, et au niveau régional, on va encore attendre un petit peu parce qu'on est quand même un jeune club, on n'a que 10 ans de vie, donc on va attendre encore un petit peu. Espérons que ce week-end se déroule bien, justement. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Oui, très bien, ça va bien, tout roule. La buvette, elle est en forme, les joueurs aussi. Nos JA sont contents aussi, donc tout va bien. Donc on croise les doigts pour avoir des résultats. Voilà.